Oh, Bounedja, Bounedja qui s'échappe côté gauche, Bounedja qui rentre intérieur, la frappe de Bounedja contre le but sénégalais, le but algérien, signé Bagdad Bounedja, et ça fait 1-0 pour les Fenech. Oh, c'est terrible, et ce ballon est contré par Salif Sané, frappe détournée qui lobe Gomis. Et ça fait déjà 1-0, Samir. 1-0 pour le Sénégal, pour l'Algérie. C'est terrible, c'est terrible. Et là, et là, et là. C'est... Ouais. Allez, on revoit l'action avec donc Bounedja, le crochet de Bounedja. Et derrière, c'est contré par le pauvre Salif Sané. Oui, le coup franc. Le coup franc de la dernière chance pour le Sénégal. Le coup franc de la dernière chance pour nos amis sénégalais. Jaune pour Adlène Guedjura. Le coup franc de la dernière chance pour Bazou à la mort. Ah oui, ça c'est une mort. Là c'est un arrêt de voler. Doucement, doucement, doucement les gars. Doucement les gars, pour qu'on soit audible pour nos auditeurs. On va suivre ce coup franc. C'est bien un deuxième carton jaune, il me semble, Nassin. C'est bien un deuxième carton jaune pour Guedjura. Ah oui. Donc la faute sur Mané, Allez, on va suivre ce coup franc. Tout le monde est debout en studio. Dernier coup franc, c'est la dernière chance. C'est la balle d'égalisation pour le Sénégal. Et c'est peut-être la dernière action avant le sacre algérien. On va suivre tout ça, bien évidemment. Il y a Ganagay, il y a Salif Sané qui sont autour du ballon. Le mur qui a été fait. On se souvient du coup franc de Riyad Mahrez en demi-finale face au Nigeria. Salif Sané qui a l'air d'être le tireur. Il y a Sadio Mané également. Salif Sané, il a fait C'est terminé. L'Algérie est champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Et malheureusement, le Sénégal qui échoue en finale. L'Algérie sur le toit de l'Afrique, mesdames et messieurs.